Hold. Ouais, Saladin qui se met à 372 000, Rouhani. Hein. Eh bien, on a beaucoup fondu à droite et à gauche pour Davidi, là. Allez, on va partir sur une petite capsule et on se retrouve juste après. Loin du silence de la Poker Room, une tempête s'abat ici à côté de la piscine du Saadi. Pour un moment structurant de ce Sismix, je parle bien évidemment du grand tournoi de Beer Pong. Et nous allons assister en direct d'ailleurs à la finale qui se joue ici entre l'équipe d'Antoine. Antoine, dis-moi, c'est quoi le nom de votre équipe? C'est les Marakchi, parce qu'avec mon frère, on est en coloc, c'est les Marakchi. Et les Marakchi vont nous peut-être perdre sur ce lancer adverse? Non, c'est bon, ils sont pas terribles. Alors, en face, ils sont pas dedans, Vous avez un peu du mal quand même là sur la ligne. Non, mais ça fait 15 tours, on est à un verre. C'est... Attends, là, regarde, je te montre. C'est le moment. Viens te placer ici pour qu'on assiste en direct à la victoire des Marakchi. Oh! Tu pouvais pas m'accaler? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, regarde. Je vais laisser la victoire à Clément. C'est Clément. La bille. Ah. Balle neuve, s'il vous plaît, balle neuve. Allez, Clément. Allez, petit. Fais-le. Bon, on va pas filmer jusqu'à la fin de la partie. Visiblement, il manque encore l'adresse à cette table. Ça peut durer encore quelques heures, mais voilà un peu à quoi ressemble une finale du Beer Pong. C'est que le deuxième tour. Regardez un peu autour de vous toute la folie qu'il y a. Il y a des tables et des tables. Et je pense que c'est parti pour durer encore toute la nuit. Ils avaient des yeux très vitreux, ces jeunes hommes. Et c'est une de mes élèves d'ailleurs qui était en face d'Antoine Boutard. Neri. Pourquoi une de tes élèves? Parce qu'elle était horrible à Lloret Delmar. Et tu l'as coachée au Beer Pong? Je l'ai coachée au Beer Pong. Oh le melon du mec. Et oui, Neri, une collègue espagnole de Winamax, bien connue sur nos lives. Et puis Etienne, responsable des clubs également, que beaucoup doivent connaître. Qui faisait donc face à un Goutardo armé de son frère. Et attention, on a trouvé un full chez Michael. Ah, c'était le chibreur. Ouais. Je l'avais pas reconnu. Et on a reconnu aussi le siège 4. Alors je tout à fait, vas-y. Je perds tout le temps son nom. Mathieu Lamanière. Voilà, merci. Magnifique 6 coups qu'on connaît. Runner-up de Madrid. WPO face à Omar Del Pino. Et pour l'instant, c'est Michael P qu'on appelle M-Pams qui va nous intéresser. Un Michael que je crois on a déjà vu également. Rappelez-moi dans le chat si vous le connaissez, ce Mika, parce qu'il me dit grave quelque chose. Modo One Poker, mais oui, bien sûr, j'ai vu. Et ça va être Colmuck également du côté de Davidi avec ce grand. Bon, Davidi, il se prend un peu tout là. On se prend des carrés dans la gueule, des foules. Il se fait défoncer. Ah, c'est dur, on souffre. M-Pams, bien sûr, il y a eu un super article de la rédac avec son t-shirt Linipox. C'est lui la caution, le beau gosse de l'équipe. C'était ça qu'il disait. Ah, oui, je l'ai vu sur le. Tout à fait. Sur le coverage. Coverage que vous pouvez retrouver sur winamax.fr d'ailleurs. Absolument. Avec Martin. Avec un Benjo d'ailleurs qui doit m'envoyer. Benjo, Flegmatic, Rutsa, ils sont tous là. Et donc Mathieu Lamanière qui arrive au siège numéro 4 avec toujours ce Teddy historique de Dublin. C'est un peu son porte-bonheur. Hein. J'ai l'impression que je le vois qu'avec ce hoodie. Coucou Pedrajasté! Je me demande bien qui c'est. Et merci de nous rejoindre pour ce petit live. On t'embrasse très fort. Il n'y a pas eu d'IAM. Hein. On est malheur, on est chafouin. Mais il y a d'autres manières de s'amuser ici à Marrakech. Et on a hâte que toi aussi tu te qualifies pour nous montrer tout ton talent au poker. Une étoile, une pépite. Ouais, cette Wi-Fi, c'est. Quelle Wi-Fi? C'est un tilt. Allez, attention. Henri Dupont, Henri Dess. Henri Dess Metal. Avec son As 9 de pique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a call l'open de Dave. Dave qui joue toutes les mains. Hein. Il prend coup sur coup. Mais il encaisse sans broncher. Super tôt, non? Cohérent. Ouais. Henri Death Metal. Combien t'avais annoncé de joueurs ITM? 72. Ouais, on voit que le field, on n'est plus que 80. Exact. Donc il en reste combien à éliminer? 8. Bien vu. Attention, on va avoir un flop intéressant avec deux carreaux plus gutshot pour David Kitaï qui a un très très gros tirage et pas beaucoup d'adversité. Soyons sérieux, Robin, notre grand chauffe qui peut. Ah mais ça va être intéressant de voir les options. Il choisit de check, il a pas envie de. Bon, on aime beaucoup de checker de position. Et un petit pic là sur des baby boards. Okay. La dame va rien changer, mais c'est pas fait hein, pour David ici.
suis pas sûr qu'on réussisse à arracher ce coup et à qu'on fasse fold ce 4. Par contre, c'est peut-être Henri qui va utiliser cette dame pour transformer en bluff son As-9. Intéressant. Ou value, mais bon, ça me semble intéressant. J'ai l'impression qu'on a une main très haute, mais à la fois, effectivement, on n'a pas grand-chose. Intéressant. Le fait c'est est raise, que là. C'est un raise, oui, c'est ça, presque ouais. Un click finalement. En raise, raise 24. Dit, intéressant parce que Davidic a entre guillemets la meilleure main sur le papier flop avec la meilleure équité, qui avait ce coup normalement déjà remporté. Qui a potentiellement les 9 out plus la gut ouais. Shot plus bon là il le sait pas mais plus le roi, donc il y a quand même pas mal d'out potentiel. Pas mal de dames chez Henri. On aime beaucoup, beaucoup raise du côté de Robin. On pose des questions. On avait vu un raise tout à l'heure avec une troisième paire. Là, c'est une quatrième paire. Mais ouais. Là, on deny de l'équité, quoi, finalement. Surtout que Henri a beaucoup de dames au bouton. On peut même avoir du As Dame off contre un Davidi très en forme. Beaucoup l'idée de just call As Dame off ici. Wow, il va call tranquillement Dave, il va jouer son équité crânement. Ça devrait éliminer Henri Dess de ouais, cette équation. Je crois qu'il y a eu un énorme read de Robin qui, pas content, s'est remis sur sa chaise. On a vite fait vu avec le changement de caméra, mais on a peut-être vu quelque chose. Bon, après c'est facile d'être héros sur les tels une fois qu'on a les mains, évidemment. Mais peut-être que Davy a vu. Peut-être que Davidi a vu aussi ce petit quelque chose. Et c'est la quinte qui rentre pour Davidi qui taille la quinte par en dessous. Qui pourrait complètement bien. Être bluffé par Robin. Après avoir pris relativement cher à droite et à gauche. Attends, parce qu'il n'est pas gagné ce coup encore. Ah. 100 000 au milieu, oh, ce serait une belle dinguerie. Alors là, on réfléchit. Est-ce qu'il a vraiment des 7 qu'il aurait choisi de ne pas continuation bet? Est-ce qu'il nous attrape? Alors, on est à 78 joueurs. Je pense que Davidi, effectivement, a des 7 ici. Après des 7 nus qui call turn, il y en a un petit peu moins qui call sur un raise. Ouais, qui plus est, ouais. Il peut avoir des dames 7 suitées, des 6 et 7 suitées, 7 et 5 suitées. Ce qui est bien, c'est que toutes les mains sont possibles avec Davidi, hein, puisqu'on sait que son range d'open est à peu près 100%. On peut potentiellement avoir des doubles paires aussi, des 4 et 5, 6 et 4, 6 et 5, qu'on pourrait faire fold. Oh non, qui choisit un petit sizing. Aïe. Malheureusement. Ce sizing là ne fera pas fold d'une quinte. 45 000, on va faire un petit. Ah, il avait peut-être perçu ce petit truc en plus turn, hein, comme tu l'as dit. Il a l'impression de se faire traire, Davidi. Ouais, il ne se fait pas traire. Ouais, la line est très exotique d'avoir ray sur la dame. Mais du coup on transfo bluff un peu. Ouais, je... Particulier. Ouah, ah non, j'ai cru que j'étais joué. Mais il y a aussi mentalement, bon après mentalement j'imagine que, enfin j'imagine, Davidi va être solide, mais mentalement le fait de prendre des carrés, des foules dans tous les sens et finalement d'avoir divisé son stack quasiment par deux. J'abuse un petit peu, mais d'avoir bien divisé son stack, ça peut travailler au corps. Moi, je vois pas trop l'intérêt de shove, parce qu'on va pas se faire call par les brelants, on va pas se faire call par les doubles paires. Les dames X, peut-être quelques-uns, mais on bloque en plus une des meilleures dames. Il essaye de bluffer Davidi. Ouh là 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 là, la poker face n'est pas encore tout à fait maîtrisée chez Robin. Qui laisse passer un sourire. Ouah, s'il le fait folle, je peux dire que ce coup-là, il va le raconter sur son stream, chauffe qui peut. Ouais, dans tous les cas, hein, de toute manière, il aura une histoire. C'est toujours ça quand on joue contre Dav, et j'ai très peur également, ouais, comme toi, Xenma, que Davidi ne folle pas ici. Ouais, je suis même très étonné du tank. Ah, parce qu'il a le sentiment de se faire traire. Il a l'impression de se faire milk, de se faire défoncer. Il déteste ça, Davidi. Oh. C'est pas possible, il va pas fold.
Franchement, il y a pas tant de sets que ça chez. Wow! Quel bluff! Chose et bluff! Robin le Bravo monstre! Il a montré, il a chaud, il a bien montré sûr, Robin! Oh là là, elle ouais, est belle! Il se fait traire dans tous les sens, le pauvre David! Mais dis donc, il prend des coups, Dave là! Hein. Incroyable, Robin, bravo! Wow. Je trouve qu'il peut, qu'il fait kiffer sur ce coup, il est trop content! Le coup au foie, bah bien sûr! Oh, elle est belle! Oh. Mais on était parti un peu dans une histoire alambiquée, finalement on l'a suivi et ça a tenu. Peut-être le fait justement qu'il size ouais, un petit size. Size down, ouais. Bah, un peu ouais, la technique ouais, ouais. de Davidi, finalement il l'a copié sans le savoir. Putain, je suis trop content, elle est très très belle! Elle est très très belle! Bravo, monsieur qui peut! Bluff pas qui veut. Elle est très très belle et ça donne un petit coup de semonce sur cette table. Le rêve de tous les joueurs amateurs. Finalement, exactement bah, tu parlais de la poker face, mais peut-être qu'il a, ouais. Qu'il a pas mal marché. Un grand, il était assez à l'aise, souriant. Mais j'aimerais bien revoir lier le fait de se rasseoir et tout. Ça avait l'air assez violent, mais peut-être que je m'invente une life aussi. David en difficulté. Bon, après, calmons-nous, il a 500 000. Hein. Tout se passe quand même bien pour Dave. Mais après, il y a aussi d'autres facteurs qui, et on l'a dit, l'approche de la bulle. Est-ce qu'un joueur. Alors, ouais, qui, c'est vrai. Mais est-ce qu'un joueur dans un main. Bon, on n'a pas trop d'infos. Est-ce qu'il va vraiment bluff à 5. Enfin, non, c'est 72. Une dizaine de lèvres de la bulle, ça peut pas mal changer. Hein. Puis même pour des joueurs expérimentés, le fait de passer directement des 1 à, bah déjà t'économises bien sûr, boulettes, tu peux chill les jours suivants finalement en allant visiter un peu du pays ou de la piscine. Quand même tout intérêt à. Allez, Mick. À ITM avec cette magnifique Porsche. Est-ce qu'on est sur une 911? J'y connais rien. Je tente. Il a un beau petit tapis, Michael. Hein. Le bon M-Pams avec 200 000 jetons devant lui. 40 blindes, non, pas du tout. On est passé déjà à 6 000. Ouais, on est passé à 3 000, 6 000. Alors, j'aime pas trop la défense et 30 deep et contre Davidi au bouton. Je pense que les petites pocket pairs, globalement, on aime bien les 8 feet. Ouais. Dégage. On aurait peut-être call genre 2-5, 2-6. Et là, ça va peut-être être... un peu plus simple pour Davidi cette fois-ci. On a souffert en ce début parce que c'était 6-5-4 Non, c'était 4. Ah bah si, puisqu'il a. Si, puisqu'il 6-5-4 et la dame à la turn. Si, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et peut-être que Chauve qui peut de temps en temps avoir une autre stratégie. Donc j'avoue qu'en multi-way, etc., moi pas du tout, mais ça peut être le cas. À part 7 et 8, j'ai pas le sentiment qu'il ait tellement de 7. Hein. Et en revanche, il a des deux paires, des brelans qui va raise turn en value. C'est principalement ça. C'est le TA3 avant l'heure. C'est le TA3 avant l'heure. Comment ça sortit? J'entends des bruits de bouteilles de champagne qui. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est juste des petits problèmes de connexion, les gars. Un petit F5, ça va revenir. Nous, de notre côté, tout va bien. Navré de. Allez, David, c'est le 4 qui prend ce petit coup. Ah, c'est on relance la machine avec un petit 7 et 4. Ouais, il a pas trop souffert en réalité. On a peut-être une petite capsule, je demande à mon bon Lolo, je crois qu'on en a une en stock encore, il me semble. On s'en fera peut-être une à la prochaine main, si on en a une en stock. Ouais, on en a une qui est ready, ok, à la prochaine. Allez, monsieur M-Pams, qui va fall ce 8 et 4 suité. Ok, je lancerai pas de capsule à la fin de cette main, très bien. On attendra 5 et 4 suité pour Salahidine qui nous a fait une bien belle impression. Ouais. Discret mais terriblement efficace la lame. Mais qui a vraiment changé de visage avec l'augmentation de son stack. Hein. Pour le coup là, il arbore un magnifique sourire. On a une façon de mettre une capuche que j'apprécie particulièrement. C'est vrai, on s'en inspirera. Et Davidi qui trouve des mains. Hein. En plus d'être ultra hyper agressif à cette table, il trouve des mains à ce valet qui pourrait être un. Candidat intéressant à call ici avec les profondeurs, à 3 bêtes pour value également peut-être. Attends, mais qu'est-ce alors ça a été limp, d'accord, okay, raise de Davidi, bon, là okay, pour le coup c'est assez, c'est normal, assez standard de côté.
très beau sourire. Hein. On peut faire ça avec la poker face. Et on va trouver cette fois le valet en la faveur de Dave. On se souvient du coup tout à l'heure avec 6 et 3 off. Ouais, là il n'y aura pas trop de surprise. Hein. Exactement, ça va s'arrêter ouais, tout de on suite. On a déjà fold. Souris, c'est bon mon bro, je t'en ai pris suffisamment, tu peux garder cela. 570 000, hey, il est bien Dave, il est bien revenu. Hein. Il n'a perdu que 120 000 entre guillemets par rapport à son point le plus haut de la journée, malgré toutes les ordures qu'il a pris. Il a quand même pris un grand carré et un grand full en l'espace de 10 minutes avant de se faire bluffer. Il a perdu les as contre les 9. Quand même perdu pas mal de coups Dave. Hein. C'est vrai. Son point culminant c'était quoi, 650 000 685. Il y en a un qu'on n'a pas vu pour l'instant, c'est un certain Sikou, Mathieu Lamanière, le runner-up du WPO Madrid. Finaliste malheureux face à Omar Del Pino. Suffisait de l'appeler. Je crois qu'il va open ça, cut-off. Ouais. Carrément. Petit dame 9 off sur la small blind de Davidi, un très bon spot pour open. Hein. Alors, bof du coup, surtout à l'approche des ITM. Ouais, il peut être complètement sur la bête. Par exemple. Ok. Ah non, just call, ok. D'accord. Ouais, c'était un peu rapide pour 3 bêtes, mais ok. Il a pas 3 bêtes tant que ça pour l'instant, David. Hein, non, c'est vrai. Ça. On a joué beaucoup de pop post-flop. Beaucoup open, surtout. Oh, il fait top pair. Il fait top pair en toute détente. Ça draw 3% en face. Hein. Il va falloir aller les chercher. Et surtout que je suis pas sûr qu'on mette autant d'A6 dans la range de David Hitt, du coup on va énormément ses bêtes et il y a des cartes qui pourraient être assez horribles comme des rois par exemple qui pourraient être de barrel pour faire folle des pocket pairs et même des dames valets, dames 10. Ah bah tiens, on parle du loup. 56 000 entre deux des joueurs au plus gros palmarès de cette table. Ouais, on le met le deuxième barrel. Hein. J'aime beaucoup ce deuxième barrel. Malheureusement, effectivement avec la range de Davidi ici, qui est assez large concernant les A6. J'avais cru voir 43 000 moi, mais ok. J'avais cru voir 8 jetons bleus. C'est peut-être 33 alors. Je sais pas si on a d'autres options que call ici. Non, j'ai pas l'impression. Pas trop intéressant. 33 000 effectivement. Ouais. Oh, dis donc. Oh wow. Pow. Alors c'est intéressant. Alors ça change pas grand chose normalement. Non, dans les faits parce qu'on voit les cartes. Mais ouais. C'est intéressant. Ah bah il a checké déjà. Non, ouais. pas parce qu'on voit les cartes. Parce que le 4 on est contre une range de small blind. Il n'a pas énormément de 2 quoi. Ouais. On n'a pas trop droit de suiter. Les rois de suiter auraient peut-être en plus check raise. Il a d'abord montré la carte gagnante avant de montrer la deuxième. Mathieu qui a l'air de regretter ce petit 2 barrel, il a perdu quelques pions. Il n'y a pas grand chose à regretter ici. 635 000 pour Davidi Rouhani, il est quasiment revenu au sommet de sa journée. Et regarde en haut à gauche une information qui est quand même assez importante. Alors qu'il est 23h30 ici à Marrakech, minuit 30 chez vous en France. On est à deux joueurs. On est à un joueur en fait. En fait, c'est la bulle, c'est le main par. T'es en train de me dire que même en fait, la sur journée ça, va se je run good. Mais tu vas rester tous les jours aux commentaires toi. Alors il me faut un média event par soir pour entretenir tout ça. Et le retour de la croupière à la coupe de feu. Et à qui est dans le rail? C'est Aurélie? Aurélie Réa? C'est Boubi aussi. Mais non, oui, à vous, le femme. Beau Boubi. Non mais c'est la femme de David. Ah c'est Caro? Ouais. Ok. Juste avant. Ouais c'est Caro. Ouais. J'ai croisé aux toilettes, très sympa, on a discuté de l'ancien temps. Boubi. Bah oui, des histoires d'aquarium. Évidemment. On adore Abou. Ouais, très content de le revoir. Toujours souriant pour le coup. Toujours souriant. Ah bah ouais, on a même un petit pas de danse en tape TV, quel plaisir. Ouais, un top homme.
4400 dirhams pour la win du Media Event. Alors je ne sais pas si on peut envoyer cette capsule immédiatement ou non. Devient quoi Aladar? Bah écoute, il était du côté du Cambodge, je crois, encore aux dernières nouvelles. Thaïlande, Cambodge, pas loin de la structure. Mais il est plus team pro. Enfin, plus team pro, oui, non. Mais je crois qu'il a choisi de un peu moins se médiatiser, si je dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup là c'est le main par main, donc toutes les tables sont arrêtées et on joue coup par coup. Ça peut être très long. On a vu d'ailleurs un truc un peu spécial au Weepy Team où le main par main concernait toutes les tables sauf la table. C'est bien respecté. Ah oui, il y a eu ça. Flavien Guénon était tout. Oui, je crois qu'il avait fallu qu'on le signale. Ouais. Oui, parce que c'était une histoire de. On était un peu dans ce spot-là où la table TV était exactement, loin, elle était trop loin et il y avait des problèmes de communication. Là, pour l'instant, tout est quand même particulièrement bien rodé. Hein. Il n'y a rien à dire, hein, non, vraiment. Bravo aux équipes du club Pierre Charron. Et bravo aussi, bien sûr, au Casino Palace à Saadi. Et à Monsieur Bauchet, Nadia, tout bon, le monde. On sent l'habitude aussi des events d'importance avec les WSOP. Oui, c'est ça, on n'est pas dans un. Ouais, c'est vrai. Ça roule bien. Et c'est d'autant plus agréable en tant que joueur pour des tournois de ces bains là qui finalement en live restent des bains assez faibles quand bien même. Bien sûr. Ah oui, c'est l'expérience. Hein, c'était ça, le player experience. L'expérience Club Charron, c'est ce qui était mis en avant au WPT. Et là, elle est pour l'instant très belle pour les joueurs. On jouera jusqu'à 71 left. Là, c'est la bulle. Ça me base. Discute. Et finalement, des stacks qui sont bien montés là. On a des vrais stacks. Un très beau final. Il y a eu énormément d'actions, des gros coups. Mais en fait, toute la journée, hein, quasiment. Ouais, était très cool. Ouais. Presque un peu courte, si je peux me permettre. Ouais, bah ouais, ça s'est effectivement vite enchaîné. Déjà, la pause jusqu'au dinner break qui était assez courte. Mais c'est parce que c'est pour nous mettre un peu nous roder, quoi. Ouais, c'est mieux. Une première journée cagoule. Et on vous rappelle, demain, je serai également aux commentaires à partir de 19h45 du coup chez vous, pardon. Avec Gaël Bauman. Gaël Bauman, puis alors je sais pas si Gaël sera là dès le début. Il y aura peut-être un moment où tu seras tout seul, donc auquel cas je te filerai quelqu'un. Adri, bah hey. Ouais. Un chance qui s'est qualifié. On peut peut-être le. Non, on va rien spoiler. On va pas spoiler. J'ai l'impression que c'est il y a longtemps déjà. Non, derrière, ils ont le même, oui. Mais ça collerait. Bon, ça doit être ça là à peu près, mais j'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça encore. Non, ça colle. Pas du tout. J'ai dit. Mais nous ne spoilons. Je ne veux pas spoil, mais. Ça va finir à quelle heure ce soir? Eh bah écoute, reste dans le coin. Pourrait te donner la réponse rapidement, mais on n'a pas la réponse en soi, puisque ça dépend de l'élimination du joueur Bubble Boy. Bubble Boy. David, est-il le seul pro? Aucune idée. Je sais pas où sont les autres. Effectivement, bonne question. Alors, tout à l'heure, dans les tables annexes, là, autour d'eux, il y avait du coup. Si on a bien suivi la table de Z Chance, c'est Gaël Bauman qui était à sa table. Est-ce qu'elle a busté ou pas? On n'a pas l'info. Je check un petit peu les stories pour voir sans spoiler avec une demi-heure de décalage. Si on a annoncé des choses. On a un Z Chance qui a fait une Davidio aussi qui gagne des grands coups avec 7 et 2. Pour Doyle. J'ai pas d'info. Hein. Donc peut-être que Gaël Bauman encore une pour un instant. Je me disais, je suis pas note. Si j'ai pas de paire. Ok, une nouvelle main qui a été distribuée. Donc ça n'a pas
La bulle n'a pas pété sur cette main, d'où l'attente, et on va donc y retourner. C'est dommage des fois si on se value cut. Allez, Davidi qui va bien sûr open ce 9 et 3, ne serait-ce que pour faire l'hommage à un autre team pro qu'on a oublié. Tiens, Coolchen qui est là, bien sûr, aussi. Avec son fils, si je ne dis pas de bêtises, et bien sûr, toujours ses potes. Qui travaille un peu son bronzage. DJ James. Coolchen. Ah, il est très en place. Il est magnifique, Coolchen. Magnifique. Avec son pote Guillaume Darcourt qui est là également. On va défendre ce 8 et 6, une autre référence qu'on apprécie tout autant. Si on saura, t'entends plus, on saura. Pas sûr qu'il aille regarder le stream quand même. David dit qu'il va potentiellement utiliser de son gros stack ici pour multi-barrel et essayer de faire folle des hauteurs qui le battent. Malheureusement, on a, comme par hasard, on tombe sur la main qu'on ne veut pas voir, un 6. Il va trouver une 9 d'ave. Dans le 1000. Pas très content que ce soit contre Mpams. Je sais pas si Shotek est in, mais il est in au casino, ouais. Au casino, enfin au festival. Pardon. Très en forme aussi. Très en forme, absolument. Après, on fout partout comme d'habitude. 20 000 to call. Compliqué pour Mpams. Qui pourrait peut-être directement nous trouver un très joli fold, mais j'ai du mal à y croire. Ouais, j'ai du mal à y croire également. Alors, le joueur de représentant de l'Inipoc et du forum WAM Poker va-t-il trouver un très joli fold? Et à une place de la bulle, j'ai envie de croire qu'il va le trouver ce fold. Hein. Et je crois, hein. Ça a glissé. Ouais, ça a glissé, bien vu, ouais, bien joué ça. Adri Guyon, bien sûr qu'il est là, Adri. Alors, à la fois très beau parce qu'on a les mains, à la fois. Ouais, mais franchement, à la bulle, je trouve pas ça si déconnant. Face à David Ikitaï. Ouais, je pense qu'il deux barrels tout quoi. Ouais, mais tu vas te faire tellement 3 barrels et est-ce que du coup t'as un call 3 barrels? Ah oui, ok. Tu vois? En extrapolant, on voit le flop quoi. Vu qu'on se fait tout le temps 2 barrels. Franchement, en extrapolant, on défend pas quoi en fait. En fait, c'est ça, ça qu'il faut faire. Oui, je pense que c'est plus ça là, ouais, l'idée. Oui, parce qu'en fait, t'as raison. C'est que effectivement, si tu call flop pour. Pour fold later, c'est, bah, c'est que ta main elle devait pas être là en fait. Ouais. Il est beau ce plan. Avec en plus la valeur des jetons, pour vous dire en gros, il a une tonne. Voilà, ça devrait répondre à vos questions. Ça lag énormément apparemment. Ok, bah écoutez, on espère que demain la connexion sera meilleure. Les équipes travaillent dessus. Ouais, ils sont dessus et on est vraiment. Vraiment, c'est très regrettable pour nous. On préférait que ce soit aussi fluide que pour nous en cabine de commentaires, évidemment, parce qu'on commente un flux, hein, c'est pas du tout pareil. Peut-être que demain, ce sera mieux. Avec les jours qui suivent, on aura peut-être des solutions pour améliorer ça. Ouais, ça rame, ça rame, ça rame. On a compris. Désolé. Deux jours off, tout à fait, Dave. Tu pourras revenir samedi. Dimanche, pardon. Ah, parce qu'il n'y avait même pas de petites croustillades hein, pendant le main event. Bon, il y a toujours les 150, enfin les 200 KO. Ah, on n'a pas les tables, quoi. Toujours les 150. Mais... Ah, ouais, on n'a pas les tables et les croupiers. Donc c'est vraiment des jours off. Ce sera piscine avec Caro et avec ses deux enfants pour Dave. Je pense qu'il y a pire comme programme avant de partir à Las Vegas. Ouais, ou peut-être, bon, j'imagine qu'ils connaissent, mais peut-être profiter aussi pour sortir un peu du... Bien sûr. Il y a pas mal de choses à faire, des excursions dans le désert, à d'autres quads. Ouais, et la montgolfière aussi. Ah putain, ça doit être neutre. Est-ce que tu as déjà fait tu prends le Shandai, hein. Ah, j'ai le vertige, donc je pense que je vais pas essayer le... J'ai le vertige et ouais, j'aime pas trop les trucs où je ne contrôle pas. On va se passer de la montgolfière de mon côté. C'est pour ça que t'as arrêté le poker, du coup. Exactement. J'avais le vertige. Je montais trop de jetons. Allez, cette bulle. De nouveau. Ouais, des cascades là. J'ai plus le nom des cascades à 1h, 1h30 avec de magnifiques paysages. J'aimerais bien aller. Ok, je sais pas. Il y a la plage. De... C'est une plage. Et Essaouira là, je sais pas ce que c'est. Il y a pas mal de trucs à faire. Ça reste un magnifique pays. Avec beaucoup d'activités.
T'es où, Ali? J'avais comme idée peut-être de prendre une petite moto pour partir. J'ai vu la conduite. Ouais, c'est juste pas une bonne idée, je pense. Ouais. Et ouais, ils nous ont entendu absolument. J'étais en train de faire la réflexion, ça me base. Ils nous ont mis nos bouboules. Ah. Dans la swimming pool. Alors elles ont un peu dégonflé pour le coup, mais effectivement. Franchement, c'est pas mal. C'est hein. Presque mieux. Hein. C'est un joli élément de décor. Hein. Ouais. J'aime beaucoup, en plus t'as le reflet dans la piscine et tout, ouais, c'est incroyable. Bah le billet, moi j'aime beaucoup le fait que le décor change naturellement quoi avec le jour et la nuit, je trouve ça très beau, très poétique. Non franchement c'est vrai. Le seul regret c'est ce logo Sixmix que je trouve incroyable. Arrête de dire Sixmix. Au moins tout le monde comprend. Sixmix. Qui est incroyable et qui du coup le jour est vraiment effacé quoi. Ouais. C'est vrai que la table est belle. Ouais, le jour, c'est vrai que c'est vraiment un setup de nuit en fait. Avec ce bleu sombre et tout. Bon, ce qui est pas con parce que globalement on joue quand même assez tard. C'est pas les moments les plus passionnants, il vaut mieux que ça rame maintenant, j'ai envie de vous dire. C'est bien vrai ça. Pas trop de plage à Marrakech. Non mais on est quoi? On est à 2h? 2h de la mer non? Un truc du genre? Peut-être un peu plus? Non. J'aurais dit 2h. Ouais, c'est Kazakh hein, en bord de mer, c'est ça au Maroc je crois. Et Agadir bien sûr. Alors, on est en train de vérifier au téléphone. Parfait. On a tenté une petite chose là pour. On a diminué le bouffage de bande passante au détriment bien sûr de la qualité de la vidéo. On est de retour en 60. On est un peu. Ouais, c'est un peu pixel. Et bien nous y sommes, mesdames, messieurs. Les joueurs s'applaudissent car ils sont officiellement rentrés dans les places payées et donc qualifiés. Pour le day 2 de ce main event du Sixmix 2023, on recompte tranquillement son stack, on s'apprête à le rentrer dans le sac. Bag. Est-ce qu'on connaît le mini cash? Sachant que le buy-in, on rappelle, est à 5500. Non, ne me pose pas des questions comme ça. Très bien. 5500, bon, on va dire. Allez, 11 000. 11 000. Ouais, je crois. Ah, x2 quand même. Je crois que c'est x2, ouais, en général. Ok. Je ne sais pas. Je spécule, tout simplement. Très beau. Et si on peut faire un tour du coup pour du côté team pro de la force, bah j'ai accès à rien. Beau ce plan, qu'il est beau ce plan sur les montagnes Davidesque. Ouais ça bug, on a bien compris, c'est la fin de journée, on va essayer d'améliorer ça demain. De toute façon vous avez l'info principale, David Ikitaya roulé sur sa table malgré les crochets qu'il a reçus pleine poire. Il termine sa journée bille en tête avec un très très beau stack à 6 chiffres et il pourra toujours donc revenir de son petit En fait c'est pas un insecte, c'est la marque du t-shirt. Ah. Ouais. J'ai compris selon maintenant. Il reviendra dimanche, je dis bien dimanche, après 2 jours de repos pour disputer le day 2 de ce main event du Sixmix 2023. Et ce que je vous propose, c'est de partir sur une petite capsule qui, on l'espère, va nous faire vivre l'éclatement de cette bulle. Ils étaient 421 sur la ligne.